Bienvenue sur ce spécial recette originale. Donc aujourd'hui, ça serait une recette au yaourt, gâteau yaourt, qui s'appellera avec, bien sûr, le directement la pâte directement, pâte sablée. Voilà. Donc pâte sablée pour commencer, une pâte sablée. Allez, maintenant pour la pâte. Donc la pâte, ici, il faudrait pour la pâte un bol de pâte. Hop. Allez. Pour commencer, levure. Hop. Tout la levure. C'est pour la suite. Ensuite, trois œufs entiers. Hop. Dedans. C'est pour la suite. Voilà. Donc, un citron. Voilà. Hop. Voilà. Juste un tout petit peu. Hein. Pas beaucoup. Ensuite, le poireau dedans, hop, voilà, tout dedans. Ensuite, deux pots de sucre, donc allons-y. Je pose du pot. Deux Ah, pots de sucre, semoule, j'ai hop, vu que mon allons-y. petit homme avait une petite famille qui s'agrandit. Maintenant, du sucre semoule dans le poireau, voilà, il en faut deux, allons-y. Donc, deux pots à yaourt, le premier, voilà, et après le deuxième, tout de suite. Ensuite, trois pots à farine. Hop, premier, on va passer au deuxième plus. Donc, maintenant, mélanger la recette, et tout directement, ça fera la pâte de direct au yaourt. Donc, allons-y. Et voilà la pâte faite, voilà, yaourt. Maintenant, allons-y pour la suite. Ensuite, un peu de compote, pas beaucoup, juste pour étaler un peu. Voilà. Ensuite, pour la suite. Un peu d'huile. Hop. Allez, c'est bon, fais ton boulot. Ensuite, des pommes cuites dans la pâte, oh, a fait un treillis. Non. Ensuite, mettre la pâte dedans. Hop, aussi. Hop là. Allons-y. Ensuite, essayer d'éparpiller tout. Voilà, comme ça. Et après, passer par la suite. Et ensuite, remettre encore des lamelles de poire au-dessus et aussi des bouts de pommes pour que ça soit bon. Ensuite, couper carrément le tout. Ça a bien bien réussi. À tout de suite pour la suite de la vidéo. Retourne. Donc voilà la recette qui est finie. Maintenant, on va passer à la cuisson. Allons-y. Ensuite, enfourner le gâteau que j'ai fait dedans. Voilà, hop, comme ça. Voilà, sans thermostat. Ensuite, vous fermez le four. Voilà. Et ensuite, vous mettez à 30 minutes directement. Voilà, comme ça. Hop, un thermostat à peu près 150 degrés. Voilà, à peu près. Donc, on va attendre que le gâteau yaourt a retravaillé, que j'ai retravaillé, que j'ai refait. Donc, à tout de suite pour la suite de ce vlog spécial gâteau au yaourt réinventé que je crée. Voilà. Donc, à tout de suite pour la suite du goûtage. Donc, voilà le gâteau en question. Donc, là, hop, je vais sortir. Là. Voilà à peu près le gâteau yaourt refait, retravaillé et revisité. Donc ensuite hein, pour le goûtage, je trouve que ça va être bon ça. À tout de suite. Donc voilà le gâteau en question. Voyez, on m'a dit que ça peut être terrible ça. Si, parce que de la compote en dessous avec de la pomme et de la poire, voyez, ça fait
Genre de gâteau yaourt original et nouveau. Voilà. Il faut goûter et tester avant de juger. Voilà. Donc, vous voyez, la pâte, elle colle pas sur. Mais c'est tellement plus. Vous voyez, elle colle pas sur le truc. Vous voyez, ça colle pas. Vous voyez la pâte, vous voyez, elle adhère bien avec l'ingrédient. Vous voyez, l'ingrédient, elle colle bien dedans. Voilà, ça colle bien dedans. Avant de dire que moi je fais des recettes bizarres, c'est que vous pouvez goûter à la recette. C'est que pour dire que je fais là, c'est original et nouveau. Si on dit des gâteaux au yaourt, c'est simple. C'est grand-mère et c'est ancien. Mais moi ce que je fais, c'est plutôt original, nouveau et futur. Voilà. Vous pouvez faire des recettes un peu bizarres, mais pas bizarres vraiment. C'est revisité. Voilà. Donc vous voyez, la recette, elle est bien comme il faut. Voilà. Donc c'est à vous maintenant d'essayer. Vous mettrez ça sur ma chaîne sur YouTube et vous verrez. La recette, elle est très bonne. Viens goûter, Katia aussi, vous verrez après le résultat. On va vous dire ça vraiment après le résultat. Donc à tout de suite pour ce petit recette très bonne. Voilà, à tout de suite. Allons-y. Donc, on va goûter un peu. Un goût de recette, elle aime ça. Allons-y. On va Allons-y. bien rigoler là. Vas-y, vas-y. On va rigoler. On va goûter. Essaye pour voir. Vas-y. Vas-y. Voilà. Voilà. Il est super bon. Hein. Ah ben voilà. La preuve que les gâteaux que je fais, original et bien réussi, ça donne quelque chose. Et moi, je vais goûter pour voir. On sent beaucoup la compote. Ah, une tuerie de trucs. Ah, vraiment, là. Ah. Alors, vous dire une chose, les gens. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Vous essayez, c'est adopter et aimer. Franchement, les recettes comme ça, on fait tous les jours. Recette, vous dire, c'est une recette qu'on appelle ça. Une recette gâteau yaourt, mais revisité, que j'ai moi-même créé. Donc, tout de suite, pour la fin de cette vidéo spéciale recette de gâteau yaourt revisité. À tout de suite, pour la vidéo. Donc, j'ai mis la vidéo de la recette que j'ai faite de gâteau yaourt réinventé avec de la pomme, des poires et aussi de la compote dessus. Enfin, envoyez-moi des commentaires et surtout, n'oubliez pas de mettre des j'aime et surtout vous abonner sur mon compte YouTube. Donc, à très vite pour d'autres vidéos à venir. Et puis, prenez soin de vous et puis faites gaffe et puis bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir pour d'autres vidéos.